Bonjour, bienvenue sur Iluna Scrap. Pardon. Je reviens avec cette petite VO pour vous faire un haul. Alors, haul Jiffy et haul Action. Voilà, je suis allée à Action en pensant trouver les dice de bordure et ben toujours pas trouvé. Donc, je désespère pas, hein. À chaque fois que je vais à Action, j'arriverai à les trouver. Mais le problème est que j'arrive pas à me raisonner à Action. Dès qu'il y a quelque chose qui me plaît, il faut que je le prenne. Et voilà, donc j'ai encore à ramener quand même pas mal de petites choses. Je monte la note. Voilà, donc bon. Il va vraiment falloir que j'arrive à me rédimer, à me calmer avec Action parce que ça va pas aller. Donc Action et la note de Jiffy. Voilà, note Jiffy, ben, il n'y a pas grand chose. Donc je vais commencer par Jiffy. Voilà, ça ira assez vite. Alors à Jiffy, j'ai trouvé des crayons à papier à motif, comme cela, avec la gomme au bout. Je les ai trouvés assez sympas. Et puis ça tombe bien parce que je n'ai plus de crayons à papier, j'ai que des petits bouts. Et donc ça tombe très bien. Donc les crayons à papier, alors rapidos au niveau prix, 1,50€. Les 2, 4, les 6 crayons à papier, 1,50€. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé des trombones étoiles, comme cela. Donc moi j'ai pris dans cette teinte-là, c'est un peu la teinte de mon t-shirt, à peu près, quelque chose près. Il y avait un vert, mais c'était un vieux vert, j'aimais pas. Donc voilà, des petites trombones étoiles comme ça à 2€, donc à Jiffy. Je les ai trouvés assez sympas. Ensuite, j'ai trouvé des pompons de ces couleurs-là. Ils sont super jolis, super mignons. Petits pompons à 1,50€, donc à Jiffy toujours. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé des cachous. Bonbons comme ça à la caisse, alors ça fait 2,25€, mais bon, après la boîte c'est du métal, donc je pensais garder la boîte pour essayer de faire quelque chose avec. Donc une fois que la boîte sera terminée, ben je vais y réfléchir et puis je ferai un tuto avec vous si vous voulez. Voilà, petite boîte de bonbons cachou. J'ai trouvé un drapeau bleu blanc rouge. Et oui, parce que j'ai mon compagnon avec son fils, car Franck a un fils d'un premier couple qui supporte la France. Donc du coup, voilà, j'ai acheté un petit drapeau bleu, blanc, rouge, donc 2,50€. Alors, j'ai rien pris pour le déplier. On va essayer de faire comme ça. Car de toute façon, il va arriver tout à l'heure, Brian, il va vouloir le déplier. Ouais, il sera déplié. Voilà, drapeau donc bleu, blanc, rouge. Et oui, vive la France, en espérant que nos chers bleus gagnent. Voilà, drapeau bleu, blanc, rouge, il est super grand comme vous pouvez voir. Voilà, donc c'est génial, Brian va être super content. Voilà, donc 2,50€ le drapeau. J'ai trouvé des sets de table comme ceci. J'en ai pris 3. Donc des sets de table, hein, rectangle, avec une matière, voilà, comme ceci. Donc 3 sets de table comme ça, donc rien à voir avec le scrap, que j'ai payé donc 6€, donc ça me mettait à 2€ l'un. Et j'ai acheté une jolie toile cirée comme ceci, grise, un peu métallique, pour recouvrir ma table. Voilà, donc du coup j'ai dit allez, je vais acheter les sets de table qui iront bien avec ma nappe. Donc voilà pour Jiffy. Et donc maintenant on va passer à Action. Alors Action, on va commencer par 2 boîtes de rangement comme ça. J'en ai 2 pareilles, 2 identiques, vous savez, avec les fermoirs noirs comme ça et le couvercle qui va bien dessus. Voilà, comme ceci. Donc j'en ai pris 2. J'ai toujours les choses à ranger. Ensuite, je crois que je vais prendre un peu dans le désordre. Hein. Je me suis pris un quart chargeur du haut, comme ça, pour mettre dans ma voiture. Donc l'embout niveau allume-cigare et 2 connexions USB, comme ça.
Voilà, alors les prix, les boîtes, eh ben, c'est 1,19€ la boîte, donc j'en ai pris deux, ça m'a fait 2,38€. Ensuite, est-ce que je vais y trouver? Chargeur voiture, 2,79€. Voilà, 2,79€. J'ai dit, j'ai rien à perdre. Donc, je les ai pris. Hop, on va faire comme ça pour mieux s'y retrouver. Ensuite, action, rien à voir avec le scrapbooking. J'ai pris des rollers comme ça, collants, avec les poils d'animaux. Des fois, ça peut être vachement pratique. Alors, les rouleaux anti-peluche, 0,75 centimes, donc de chez Action. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé. Alors, je suis une gourmande, faut le savoir. J'adore les bonbons, j'adore les gâteaux. Je sais pas me. Je suis comme les enfants, moi. Et voilà, dès que j'ai envie d'un bonbon ou d'un gâteau, et ben, j'achète. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai déjà commencé le paquet dans la voiture. Voilà, j'adore les bonbons. Donc, voilà, mon petit péché mignon. Donc, voilà, les bonbons, ça m'a fait. Les bonbons. Je sais pas. Les bonbons, je sais pas du tout. Je cherche. €1,99 les bonbons. Et paquets comme ça. 1,99 €. Voilà. Ensuite, j'ai pris un rouleau de tissu bleu comme ça. À 0,49 centimes. J'en avais déjà pris deux l'autre fois et j'aimais bien ce bleu-là. Donc 1,99 €. Non, pardon, 0,49 centimes. Donc un rouleau de 1,50 m sur 15 de haut. Voilà, donc 0,49 pour ceci. Ensuite, je me suis trouvé ceci. Alors vous allez me dire, c'est encore pas Noël. Des petites figurines comme ça en bois. Carnet de notes, washi. Donc des petites choses en bois comme ça, tenues par un élastique. Donc je vais vous les montrer un petit peu plus près. Voilà, donc il y en a deux. Donc ça les présente comme ceci. Donc il y en a deux, forme sapin. Et en fait, à l'intérieur, vous voyez, il y a une forme bois, comme ça, en cœur. En cœur, n'importe quoi, en étoile. Excusez-moi, j'ai travaillé ce matin, je suis debout depuis 3h30 ce matin. Je dis que des bêtises. En forme d'étoile à l'intérieur. Et en fait, au dos du sapin, ça se présente comme ça. Donc je les ai trouvés assez sympas. Et ça les met à 1,98 € les deux. Voilà. Et là, j'ai pris un peu le même esprit, sauf que j'ai pris une tête de cerf. Car j'aime bien ça. Et puis je me dis, pour Noël, ça peut être sympa en déco dans la maison ou dans ma crèche. Voilà. Donc 1,98 € les figurines bois. Voilà. Ensuite. J'ai trouvé un assortiment boîte comme ça ronde. Un assortiment de trombone, de punaise. Voilà un petit assortiment comme cela. Punaise, trombone, agrafe. Donc il y avait en noir et blanc comme cela. Donc j'ai pris ça. Parce que ce qui m'intéressait, c'était les gros trombones comme ça pour faire des paperclips et tout ça. Là, il y en a des un petit peu moins gros. Bon, là, il y a des punaises, ça peut servir. Et puis là, vous avez encore des petits paperclips comme ça aussi qui est assez sympa en métal. Ça, je crois que c'était une promotion à 0,69 centimes. Et il y avait aussi dans les teintes de jaune, rose, bleu et vert. Et j'ai pas pris. Moi, blanc et noir, ça me va très bien. Donc. Voilà, ensuite je me suis repris du double face comme ceci. Donc j'en ai repris deux. Deux, donc ça les met
Je sais plus le prix de. Ça les met pas trop cher. 0,78 centimes. Donc voilà, j'en ai pris deux parce que j'en avais plus. En restant dans le double face, je me suis repris du double face comme ça, tapis. Spécial moquette, tout ça. Moi, il me va très bien pour le scrapbooking. Et ruban, c'était 1,36 € pour cela. Voilà, 1,36 € pour fixation pour revêtement de sol. Mais moi, je m'en sers pour le scrap. Voilà. Je me suis repris des têtes de brosse à dents électriques. Donc, rien à voir avec le scrapbooking. Hein, mais bon, j'en avais plus. Donc, ça les a mis à 6,95 €. Voilà, 6,95 €. Donc, rien à voir avec le scrap. Ensuite, je me suis repris des petits buteurs lits comme ça, papillons. J'en ai déjà pas mal, mais je les adore tellement que. Voilà, 0,99 centimes. Je les adore tellement que j'ai voulu voilà, encore en prendre un paquet. Peut-être pour un échange. Ensuite, j'ai repris des petits papillons comme ça. J'avais pris bleu, orange et vert et manquait le rose. Donc voilà, ces petites choses-là, ça les met à 0,79 centimes. Donc il y a tout ça à l'intérieur. Voilà, donc ça reste vraiment dans le rose. Voilà. Après, j'ai trouvé. Alors, je pense que vous les avez vus beaucoup dans les hauls, ceux-là. Mais moi, je les avais pas. Je les avais pas pris la dernière fois que je les ai vus parce que ça commençait à me faire cher dans mon panier. Donc, ces petits tampons avec les blocs acryliques. Alors, au niveau prix. Je cherche. Je cherche. Hein, excusez-moi, ça prend un peu de temps. Je vais voulu vous dire les prix. Ça les met 1,59 €. Donc les trois tampons. Donc là, j'ai pris avec le vélo que j'aimais bien. Les deux plantes. Voilà, avec les blocs acryliques. Et puis celui-là, j'ai pris celui-là où il y avait donc les deux plantes et le petit banc. Voilà, avec le bloc acrylique aussi, parce que ceux-là, je ne les avais pas. Voilà, ensuite, à savoir que moi, je ne suis pas trop washi tape. Je ne suis pas très fan du washi. Alors, je rapproche parce que là, c'est un petit peu trop loin de moi. Je suis pas fan du washi, hein, faut être honnête. J'aime pas trop ça. Mais là, j'ai craqué pour le washi comme ça, parce que je les voyais dans les halls et dans mon Action, et ben ils y étaient pas. Voilà. Donc là, quand j'ai vu qu'il y avait ces trois-là, et ben j'ai craqué. Et oui, quand je vous dis que je suis faible avec Action, c'est pas pour rien. Donc voilà. Les petits washi comme ça, donc il y en a 10 à l'intérieur. Et après, au niveau prix, donc les trois pièces. Alors, j'ai le prix des trois pièces. Donc, on va commencer par celui-là, celui-là et celui-là. Donc, ces trois choses-là vaut 0,99 centimes les trois. Alors, je ne suis pas washi, mais aujourd'hui, j'avais envie de me lâcher au niveau des washi. Donc, je vous montre de plus près ce que j'ai pris. Donc, j'aimais beaucoup le dernier. Là, je le trouve super joli. Avec les étoiles aussi. Celui-là, du meilleur, un peu moins. Mais bon, ça fera l'affaire quand même. J'ai pris celui-là. Alors, j'adore les cœurs. Les petits cœurs, là. Les petits chevrons aussi, qui est assez sympa pour faire une carte avec. Et toujours un petit message au milieu. Donc, j'ai pris de cette couleur-là. Un peu rose gold. Voilà. Et j'ai pris celui-là car j'adore les teintes de couleurs comme ça. Je sais pas pourquoi. J'adore un petit peu bleu d'eau, vert d'eau, je sais pas trop. Les petits cœurs un peu saumonés. Celui-là est très joli aussi. Très beau celui-là. Voilà. Donc ça c'était, je vous ai dit, 0,99 centimes les trois. Voilà. 0,99 centimes les trois. Et ensuite, pour finir avec cela, alors.
Je cherche. Non, donc ils sont super jolis. Alors, je pense que ça doit être du 5 euros. Alors, ça les met à 1,98 € le paquet. Et moi, ça m'y a fait les 3 à 5,94 €. Donc 1,98 €. Moi, je les ai pas mal vus dans les halls des copines. Et je me suis dit, purée, celui-là, qu'est-ce qu'il est joli. Avec les étoiles un peu dorées, comme ça. Celui-là est noir, il est très beau aussi. Enfin, ils sont tous très beaux hein, dans cette boîte-là. Franchement, j'adore avec les petites paillettes. Moi qui ne suis pas fan des paillettes, celui-là, je le trouve super joli. Voilà, donc. Je suis pas washy, mais bon, là, ils me plaisaient tellement que je les ai pris. Donc, pour celui-là. Ensuite, celui-là est très sympa aussi. Avec un peu de rose gold. Voilà. Ils sont super sympas aussi, ceux-là. Voilà. Et le dernier, qui est un peu plus pastel. Celui-là, il est très beau, le vert, là. Un petit peu gris. Super joli. J'aime bien celui-là, le blanc au milieu, là. Les petits argentés paillettes aussi. Voilà, un peu plus pastel. Non, franchement, j'arrivais pas à me décider entre les trois. Il n'y avait plus que ces trois-là en rayon. Et je les ai pris tous les trois, du coup. Voilà, j'arrivais pas à me décider. Ensuite, j'ai pris ruban de dentelle. Donc, on ne les présente plus. C'est ces petits rubans-là. Voilà, il n'y avait plus que ça. Donc, j'ai pris les deux derniers qui étaient en rayon. Donc ça le met à 0,99 centimes, le lot de 2. Voilà, donc ça sert toujours et c'est autocollant. Et ça, c'est vachement pratique. Ensuite, j'ai pris pour le travail un petit carnet de notes comme ça, que je mettrai dans ma poche. Voilà, parce que des fois au travail, sur mon lieu de travail, j'ai besoin de noter des choses. Et le carnet que j'avais, bah, il était terminé. Donc du coup, voilà. Je pourrais noter les petites choses que j'aurais besoin de noter sur mon lieu de travail. Et ce sera assez pratique. Donc en spirale, comme ça. Donc vous avez vu à l'intérieur, c'est simple, hein. Et j'aime bien voilà, le petit élastique brillant. Parce qu'après, je me dis, je pourrais le récupérer pour autre chose. Et puis la petite couverture qui est assez sympa aussi. Donc ce petit carnet, comme ceci, est à 0,75 centimes chez Action. Voilà. Après, j'ai trouvé les petites choses comme ça avec des perles. Moi, le truc vert, je le trouve très moche. Excusez-moi. Je le trouve pas beau du tout. Moi, je vais me servir uniquement des perles. Voilà. Au niveau du prix, je sais pas. Et ben, elle a pas dû me le compter. Elle n'a pas dû me le compter, je ne trouve pas. Donc celui-là, bah, il est connu. Hein. Alors après, au niveau du prix, je ne pourrais pas vous dire. Je ne le retrouve pas sur ma note. Voilà. J'ai pris une petite écharpe tricolore bleu, blanc, rouge également. Parce que sur ma commune, je pense qu'ils vont faire comme l'année passée. Ils vont mettre un écran géant. Et donc, voilà. Que ce soit mon compagnon ou son fils, il y en a un qui aura le drapeau, un qui aura l'écharpe. Voilà, donc la petite écharpe chez Action est à 0,87 centimes. Voilà, 0,87 centimes pour l'écharpe. Ensuite, j'ai trouvé trois petits carnets comme ça, tout simple, à 0,96 centimes. Donc il y en a trois. 0,96 centimes, car j'avais l'idée de faire quelque chose avec. D'ailleurs, je le ferai en tuto. Il va falloir que j'y regarde comment je pourrais faire. Je voulais l'ouvrir, mais j'ai pas pris de ciseaux pour l'ouvrir. Voilà, on va y arriver avec les dents. Hop, voilà. Donc ça fait trois carnets comme ça. Donc eux, ils appellent trois exquises book. Donc je rapproche l'étiquette pour vous montrer. Voilà. Donc j'en ai un comme ça, avec une feuille dorée devant et une feuille dorée à l'arrière, comme ceci.
J'en ai un tout vert, comme ça, vert d'eau un peu. Donc l'intérieur, c'est ligné, comme ça. Pour les trois petits carnets, c'est ligné. Et le dernier, il est comme celui-là, comme ça, tacheté. Bon, j'aime moins, mais bon, voilà, intérieur craft. Recto verso, pareil. Et toujours ligné à l'intérieur. Donc j'avais une petite idée de faire quelque chose avec ça. Donc je le ferai avec vous en tuto. J'avais dit 0,96 centimes les trois. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Car j'ai trouvé des petites nouveautés. Enfin, pour moi, c'est des nouveautés. Peut-être pas pour vous. Mais je voulais vous les montrer à la fin. Donc, ça, c'est tout ça. J'ai repris de la Takiglu. Parce que ça, la Takiglu, ça part comme, comme des petits pains à 0,99 centimes. Takiglu. Ensuite, j'ai pris pour 1,99€ une boîte comme ça de Strass. Donc il va falloir que je m'amuse à y ranger, enfin y trier du moins. Voilà, donc il y a vraiment un assortiment de toutes petites Strass. On va dire petites et taille un peu moyenne. Donc voilà, il y a un petit peu de tout à l'intérieur. Voilà. Et donc ça, ça vaut 1,99€, donc ça vaut 2€, hein. Voilà. Donc voilà, et donc on va passer maintenant pour moi aux nouveautés. Donc en nouveauté chez Action aujourd'hui, j'ai trouvé ces Metal Tag. Metal Tag, alors les Metal Tag, que je retrouve le prix... Donc ça l'a mis à, c'est quand même pas donné, 1,19€. Voilà, j'avais pas vu, j'avais pas fait attention au prix sur le rayon, mais ouais. Bon bah tant pis. Moi j'y trouve pas donné parce que ça reste petit, du métal, voilà, métal quoi. Ouais, 1,19€, bon, c'est pas grave. Étiquette métal, donc 1,19€. Et donc à l'intérieur, vous avez... donc 12 étiquettes métalliques. Donc je pense que vous avez alors 4, vous en avez 4 comme ça, vous avez 4 ronds, vous avez 2 ovales et 2 cœurs. Il y a une petite chaînette avec, donc là c'est dans les teintes de doré comme la chaînette. Voilà, j'ai pris dans les teintes argentées. Donc, même quantité, sauf qu'il y a, c'est la couleur qui change, donc argenté. Et j'ai pris rose gold. Donc, pareil, même quantité, même forme, mais en rose gold. Voilà. Pour moi, la nouveauté. Ensuite, j'ai trouvé des petits stickers forme cœur. Donc, eux, ils les appellent les Craft Strass Hier. Comme ceci. Alors là, au niveau du prix, alors je suis en train de regarder un truc, paf, la vie. Donc ça lui était à la 12, il y en a 12, donc ça lui était à 0,68 centimes les 12. Comme ça, donc là dans les teintes de blanc, donc 0,68 centimes. J'en ai pris dans les teintes de rouge, comme ça, et j'en ai pris dans les teintes de rose, comme ceci. Donc j'en ai pris 3, ça me les a mis les 3 à 2,04 €. Ensuite, j'ai trouvé, alors ils appellent ça les puff stickers. Comme ça, donc je vous les montre comme ça, parce qu'avec le portable, on ne voit pas dans l'autre sens. Puff stickers, donc ça les met à 0,66 centimes la planche. 0,66 centimes la planche de stickers. J'en ai pris donc deux différents.
Donc j'ai pris cette variante là. J'ai trouvé assez sympa. J'aimais bien la voiture avec les ballons. Ça fait un petit peu mariage. Le cœur, les différentes fleurs ici et là, le petit nœud, les cœurs avec la flèche, j'aimais bien. Les petites fleurs, les petites étiquettes comme ça, les petits panneaux. J'aime bien la petite enveloppe avec le cœur, les petites guirlandes de cœur là, le cœur, la petite machine à écrire. Voilà, j'ai trouvé assez sympa. Donc je suis vraiment tombée dessus par hasard, donc j'en ai pris qu'un comme ça. Et deux comme celui-là. Et j'en ai pris deux comme celui-ci. Parce que celui-là, je l'aimais vraiment beaucoup. Je l'ai vraiment aimé. Alors, celui-ci, on a le petit chat dans la petite tasse qui est trop mimi. J'adore. On a une couronne là dans le rond. Ici, donc, on a un chapeau. On a un cœur. On a des mille chèques. On a un rond avec avec un verre. On a une bouche là, un peu même paillette. On a des lunettes, on a une petite guirlande. On a un petit masque comme ça, on a un cœur. J'adore le rond avec le diamant à l'intérieur. On a à nouveau un diamant ici. Voilà, là on a une jolie petite fleur. Donc là c'est marqué week-end, ici. Là on a un arc avec des flèches, on a de nouveau un chat ici. À nouveau un petit diamant, on a un petit lama, on a des petits cœurs par-ci par-là. Non, franchement, je trouve super joli. Et donc, tellement qu'il m'a plu, j'en ai pris deux. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé. Alors, ça, j'en ai pris que deux. J'en ai pris que trois. C'est la première fois que je les vois dans mon action. Donc ils appellent ça. Alors justement, je cherche le nom. Alors attendez, parce que j'ai encore une chose à vous montrer, mais je ne sais pas le nom qu'ils emploient. Donc ça c'est 1,39, 0,89, 1,19. Donc il y a quelque chose qui m'ont, ils ont dû me compter en plus. Ou j'ai oublié dans la voiture. Enfin bon bref, j'ai trouvé des petits dies comme ça. Alors je vous montre. Petits dies. À l'occasion, je les testerai, puis je vous montrerai le rendu. Donc, j'ai pris donc, ce style-là. J'ai pris ce style-là. Et j'ai pris celui-ci. Donc, les petits dies comme ça. Alors, je ne vais pas vous dire de conneries. De bêtises, pardon. Je crois que ça les était 1,19€. Alors, 1,19€. Donc, honnêtement, j'en ai pris que 3. Et bien, tout simplement parce que pour 1,19€, j'y trouve quand même petit. À savoir que normalement, vous pouvez faire des collections. Il y a donc dans les teintes de jaune, il y en a plusieurs dans les jaunes, il y en a plusieurs dans les verts. Donc, j'ai pris que ces deux-là. Il y en avait plusieurs dans les teintes de rouge et plusieurs dans les teintes de bleu. Moi, quand j'ai vu 1,19€, j'en ai pris que 3. Et les 1,19 à 3, ça me fait quand même 3,57€, ceux-ci, les 3. Donc, j'ai vraiment pris, en fait, les coups de cœur, les 3 qui me plaisaient le mieux. Voilà, je dis honnêtement, hein, c'est ces 3-là qui me plaisaient le mieux, donc du coup, j'ai pris que ceux-là. Parce que les autres, je voyais pas trop l'utilité. Et puis, à ce prix-là, j'ai plus fonctionné au coup de cœur que tout prendre et puis en ressortir encore pour une note catastrophique de chez Action. Voilà. Et donc, j'ai retrouvé le prix de ceci. Je vous avais pas dit le prix tout à l'heure parce que je l'avais pas retrouvé. C'est 0,89€. Voilà. 0,89€. Et moi, je vais utiliser que les perles parce que le truc vert, je le trouve vraiment pas joli. Et la dernière chose, donc de chez Action que j'ai trouvé aujourd'hui. Donc là, ils mettent sur le ticket de caisse, créez votre figurine dans un cadre. Donc ça a coûté 1,39€.
Laissez sonner, c'est pas grave, je répondrai, je rappellerai tout à l'heure. Donc ça a coûté 1,39€. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est la première fois que je vois ceci chez Action. J'ai fait une précédente vidéo sur une petite maison d'oiseaux, sur une maison et sur le mot home. Donc c'était le même esprit. Et donc ça, j'y ai payé donc 1,39€ la boîte. Voilà. Donc c'est pour réaliser des fleurs en papier dans un cadre. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Mais je vais vous l'ouvrir avec vous dans la précédente vidéo. Parce que là, ça fait déjà plus de 30 minutes que je parle. Et je vais l'ouvrir dans la prochaine vidéo. Je reviens. À tout de suite.